c'est Yuval, 1000%.com. Aujourd'hui, j'organise un événement à Défense. Dans le public, qu'est-ce que je trouve? Une figure emblématique du break, du b-boying. SISSAVAN. Monsieur SISSAVAN. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu, pendant un moment, t'as fait partie du groupe Les Eaux Fatales. Voilà. Avant ça, sans pitié. Avant ça, sans pitié 91 et Killer on the Floor, faut pas l'oublier. Très bien. Et à un moment donné, on te voyait moins dans la culture. C'est pas moins dans la culture, je me montrais moins. Mm-hmm. Parce que voilà, chacun ses problèmes. Ah mais ça, après il y a la vie. Entraînement toujours, mais plutôt la motivation. La motivation qu'il faut pas la perdre au fil du temps. Même quand t'as un certain niveau, même si t'es haut, t'as pas la motivation, ça sert à rien. Et quand on t'a revu dans les battles, moi je t'ai revu, la première étape ça a été avec un petit groupe de jeunes qui n'étaient pas forcément connus. Donc aujourd'hui t'as des mecs comme Tonio qui sortent du lot. Et qu'est-ce qui t'a pris de créer un groupe? Bon, en fait, c'était pour pas perdre, le mouvement autour de chez moi, vers Grigny, Sainte-Geneviève, 91 quoi. Donc je voyais des petits qui s'entraînaient, mais voilà quoi. C'est pas qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction, mais il n'y avait personne pour les prendre. Il n'y avait pas de leader pour les gérer. Voilà. Donc en même temps, je donnais des cours là-bas, donc j'en ai parlé avec eux, donc ils étaient OK pour former un petit groupe. Donc voilà. Et à un moment donné, t'as participé à un événement où il y avait du lourd qui s'appelle le Wizwoo. T'as gagné la première édition. Donc déjà pour toi, c'était un truc, c'était un gros truc ou c'était fait? À la base, je devais pas le faire déjà. Donc après, sur le moment, je voulais juste kiffer. Donc j'ai gagné, merci, c'était bien, j'ai kiffé. Donc le truc, c'est que ça fait toujours plaisir parce que on voit le travail qui est derrière. Même si ça fait des années que je ne suis pas sorti. Donc il faut dire que on va dire les anciens sont toujours là, même si ils ne sont pas d'actualité au niveau des vidéos et des battles. Quoi. Et en plus tu as gagné une deuxième voix cette année. Voilà, mais bon, j'ai quand même mal dansé et, avec tous les aléas de l'événementiel, avec la fatigue et tout ça. Quoi. Est-ce que tu as conscience que Wizwoo c'est un gros battle et que l'année prochaine, si tu gagnes une troisième fois, c'est chaud quand même. Il faut s'entraîner. Et qu'est-ce que tu constates par rapport, toi qui as vécu les années 95, qu'est-ce que tu constates comme différence entre ton époque, ta génération et celle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je trouve que déjà tous les b-boys se connaissent. Ouais, c'est vrai qu'on les se côtoient, mais sans être comme ça. Mais on va pas dire hypocritement, mais ils se connaissent tous. Mmh. Tandis qu'à l'époque, c'était groupe avec groupe, c'est-à-dire Division Alpha, ouais. Vagabond, Family. Wanted, sans pitié, c'était chacun dans son coin et quand on venait, on parlait pas. Ouais. On venait, on dansait et c'est tout. Il n'y avait pas de. C'est ton bilan par rapport à l'époque. Voilà. Et aussi que aujourd'hui, beaucoup, à cause des vidéos, on va dire, beaucoup fait la même chose. Il y a moins d'originalité. Ouais, font la même chose et donc l'originalité baisse. Et surtout, ce qu'on recherche dans les battles, c'est ça. Ouais. Dès qu'il y a une touche d'originalité, on préfère la personne qui fait l'originalité. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de ce petit lieu où les jeunes s'entraînent aujourd'hui allègrement à la Défense? Moi je trouve c'est déjà une opportunité pour ceux qui n'ont pas de salle. C'est bien. Mais après, t'en as, ils font ce qu'ils veulent ici. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, c'était bien. Il y avait beaucoup de participants. À part que tu es arrivé un petit peu en retard, mais bon, ils allaient de la nuit. Voilà. D'accord. Donc, si, c'était bien, un bon niveau. Et on verra le résultat à Marseille. Et si on représente bien. Archange, ouais. Et toi, à long terme, aujourd'hui, tu arrives à un certain nombre d'années de break, un peu comme Billy. Voilà. Et je veux dire, tu penses que pour la suite, tu vas continuer encore à faire des battles ou t'es plus dans la transmission? Les deux, parce que il faut. Moi je trouve il faut de la motivation par rapport à ce qu'on donne.
et par rapport à ce qu'on reçoit, c'est-à-dire en battle. Mm-hmm. Ce que tu travailles, tu travailles pour quelque chose. Tu travailles pas pour être juste dans la salle. Ouais, oui. C'est l'expression. Déjà, la danse, c'est l'expression. Mm-hmm. Donc, faut t'exprimer. Tu transmets, c'est bien. Mais aussi, il faut avoir la motivation d'autre part. C'est-à-dire battle, spectacle, show et tout ça. Est-ce qu'il y a des b-boys de la nouvelle génération qui te font kiffer actuellement? Qui me font kiffer? J'en ai pas de tête. T'aimes bien voilà. Et tu kiffes, enfin, quand tu les regardes, c'est un plaisir. Non, personne en particulier? J'ai pas de nom particulier. Est-ce qu'il y a des b-boys, à l'époque qui t'ont un petit peu inspiré, qui t'ont motivé? Ah ouais. Alors à l'époque, Maurizio Next One. Voilà. Ken Swift toujours, Karim Barouch, mm-hmm. Ibrahim Dembélé, la génération en famille. Voilà, Momo Grini, Momo, ouais, prof. Qu'on voit très rarement d'ailleurs. Voilà, et que je respecte beaucoup. Mm-hmm. Et qui encore Ivan. Les gens ne connaissent même pas Ivan. Ivan, Air Force Crew et Style Eleven. Avec Remind surtout. Oh, Remind, et Crumbs, voilà. Très bien. Le mot de la fin, ça serait pour la nouvelle génération, s'il y avait un mot à dire? Ben, originalité, motivation surtout, et soyez vous-même. Et soyez représentés. Voilà. Ok. Je te remercie, c'est bon, merci.